Non mais t'as pas fini d'essayer de regarder sous mon pantalon toi? Prends ça dans la gueule. Yes! Salut les mecs, c'est Shani, on se retrouve dans le monde 1.8. Salut à tous, hein. Salut les mises, salut les mecs, les enfants, les parents, les mutants, etc. Et on se retrouve, on est dans le monde 1.8 de Shani. Et alors vous avez vu, pendant les quelques premiers épisodes qu'on a fait, on était limité par une world border. J'ai décidé que ça allait changer. J'ai décidé que j'avais besoin d'espace pour créer de nouveaux projets, donc on va faire slash world border 7 et on met voilà plein. On n'a plus de world border les mecs, on est libre, on est libre, on est libre, on est libre. Oups. Oups. Wouhou, parcours. On est libre. Aujourd'hui, j'ai décidé que la World Border allait disparaître. Ouais. Fini. Et on va pouvoir commencer à explorer, récolter et se libérer. Wouhou, Kripou. Chut. Arrête de dire psst. Psst. Voilà. J'ai décidé qu'on allait être libéré du joug de cette World Border qui nous entourait, nous étouffait, m'obligeait à rester là-dedans. Aujourd'hui, c'est de l'exploration. Alors ici, je sais qu'il y avait une cave. Voilà, une faille, c'est ça? Une belle petite faille, je voulais la voir de plus près. Voyons. Ouh, elle est jolie en plus. Et c'est une ferme à champignons aussi. Hop. Hop. Et voilà, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Car j'ai un nouveau projet en tête, et pour ça il me faut un lieu où poser mon cul pour faire ce projet. Est-ce qu'on arrête la mine? Non, on la reprendra, on va faire... on fera quelques épisodes ailleurs et quelques épisodes à la mine, etc. J'ai du poulet pour survivre. Mais là, ce que je voudrais trouver, c'est un joli endroit. Ou vaste plaine, il y a plein de choses qu'on n'a pas, que je voudrais récolter. Mais d'abord, je vais explorer un peu. Alors... on est à quoi comme coordonnées au fait? 400, 250, ok. Et par là-bas, ça augmente ou ça descend? Hein? 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 Perdu? Ok, on va dire 300, 200. Comme ça, je m'en souviens. 300, 200. C'est bon. Parce que je pars explorer, c'est bien, mais en 300, 200, il faut que j'y retourne. Ici, on a une plaine. Yes! Oh, elle est vaste en plus. Elle est vaste, elle est creusée, comme toutes les plaines. Il y a souvent des... J'ai remarqué ça, dans les plaines, vous avez souvent des réseaux de cavernes en surface, qui vont un peu plus profond parfois, mais... Surtout un réseau de cavernes en surface. Ça, c'est quoi? Taïga? Oh! Forêt. Ah, oh, qu'est-ce que ça fait du bien de sortir de son petit trou. Ce qui me plairait, là, c'est de trouver des chevaux. Regardez ça, on a des Extreme Hills. Yeah. La canne à sucre? Non. Ok, on a entouré... Oui, des pumpkins! Je crois que j'en avais pas de ça. On va commencer à récolter tout ce dont on a besoin, hein, les mecs. Ouh! Les Vita Pumpkins! Donne-moi. Donne-moi. Alors les mecs, j'espère que tout le monde est content du choix que j'ai fait. Tout le monde ne l'aurait pas fait, je sais. Mais c'est mon choix, je fais disparaître la World Border parce que... J'étais trop restreint en fait. Mais c'était le but des premiers épisodes. C'était de vous montrer qu'on peut créer un monde restreint. Et pourtant s'éclater dessus. Alors là on a quoi? On a des piggies... On a plein... Attends. Où ça grogne là? Ouais, il doit y avoir une grotte dessous par là. Et allons voir là-haut. Toi dégage. Je veux quelques blocs de dirt. Merci. On va monter. Hop, hop. Hop, hop, hop. Eh ben, monte, abruti. Monte, abruti, monte. Est-ce qu'on voit la mine d'ici? Non, on la voit pas. Ok. Donc, maintenant, je vais vous expliquer comment va se passer la suite.
suite de la série. Et je compte sur vous dans les commentaires pour me dire si c'est une bonne idée ou pas. Si ça vous plaît ou pas comme idée. Mais on a fait la mine. On est d'accord, on a fait le village minier. Ouh, j'ai besoin de manger. Mais. Ah ouh, c'est bon. Bouffe ton KFC et ta gueule. Allez, hop. Oh, ok, c'est mignon. Oui, si j'ai besoin de torche comme ça, je peux. Hop. XP gratuite. Très peu d'XP, mais gratuit quand même. Et donc, par là, on a quoi? On a une autre plaine? Oh, ça me plaît. Et je voulais voir si on voyait la mine de... Oui, on commence à l'apercevoir d'ici. Ouf. Oh, ça pourrait être bien. Ça y est, j'ai une idée déjà. Option. Video settings. Render distance 12. Ouh, ça l'a tout tourmenté. Option. Video setting. Render distance plus que... Voyons, si je mets 20. Option. Video settings, reviens à 10. Il était trop funky là. Ouf. Ouf. Et c'est quoi déjà pour les reloader? F3 plus A. Ah, ma pioche. Pfff. Vive Feather Falling, je vous le dis. Bébé de la mort. Je l'ai entendu. Bébé de la mort. Dégage. Tant pis pour l'XP. Bon. Ouais, donc comme je disais, ici, il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Eh mais c'est quoi? Vous avez décidé de me gaver? Il y a un spawner pas loin? Non. Ok. Non. Ok. J'entendais des zombards un peu partout. Je me demandais d'où ça pouvait venir. Bon, tant pis. On va enlever ces coordonnées toutes pourries. Et on va commencer à avancer. Donc, on a ces extrêmes hills. Et là, on a une plaine. Et comme je disais, on va faire la mine. Et maintenant, on va établir... on va établir une ville. Parce que là, la mine, c'était bien, mais c'est tout petit. Ah, il n'y a pas des canassons pas loin. Moi, je veux un âne. Je veux un donkey. Allez. Et je l'appellerai Kong. Le Donkey Kong. Ouh, c'est naze, ça. John, tu sors. Bon. En tout cas, je suis content. On a un sacré biome, là. Allez. Alors, on est dans quelle direction? F3. Direction nord. Ok. Pour revenir, il faut que j'aille sud. Et on va explorer. La. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, comme c'est bien généré carré. Berk. C'est cubique, hein. Oui, donc je disais, je veux installer une ville. Mais pas n'importe quelle ville, je veux installer une vraie ville qui irait avec notre mine. Donc dans le genre médiéval. Je pense... Des vaches! Oh putain, des vaches! Oh putain, on a des vaches! Ça y est, elles sont là. Est-ce que je vais ramener tout ça à la mine? Non. On va faire quel genre de ville? Ce que j'aimerais bien faire, c'est une vraie ville fortifiée ou pas, je sais pas encore. Sûrement avec un château ou au moins un petit fort, un fortin, quoi. Beaucoup de fermes. Pas dans le sens ferme redstone et compagnie, non, de la vraie ferme, tu sais, celle où tu récoltes du blé, des carottes, des patates, en fait, une immense ville fermière, d'où le fait que je cherche la plaine parfaite. Je suis toujours en direction du nord? Oui, toujours en direction du nord, youpi! Et on va se retrouver dans le froid. Et bien ce que je vous propose, les mecs, c'est que soit je continue en cam, soit je continue hors cam. T'en penses quoi? Ça vous fait chier d'explorer avec moi? Non. De toute façon, aujourd'hui c'est épisode exploration. Hein? Le but étant de trouver l'endroit parfait où bâtir
les débuts de notre ville. J'aimerais qu'il y ait un peu de relief, mais pas trop. C'est trop de relief, hein. Après c'est chiant, il faut terraformer et compagnie. Mais sur ces extrêmes îles, on pourrait déjà faire quelque chose. Je vais réfléchir à ça. Mais là, c'est pas ça que je veux. Là, là, je veux... Oh, il pleut. Non, il neige. Dans ce biome, il ne pleut pas. Mais j'entends la pluie se rapprocher. Donc, on doit avoir un biome où il pleut pas loin. Ça y est. On est de retour en extrême île, c'est ça? Ok. Ok, ok. Oh, par là. Par là, ça me plaît. Hop, hop, hop. Du spruce à ne plus savoir qu'en faire. Du birch, du spruce. Plein de choses. Oh, qu'est-ce que je suis content. Qu'est-ce que je suis content. On va avoir accès à tout ce que j'avais pas. Cochonou, viens pas me faire chier. Oui, parce que j'ai décidé qu'on allait construire un vrai monde de jeu. Donc là, je cherche un endroit où établir mon château. Et on reliera mon château, ma ville. Et on reliera tout ça par des routes. On construira des auberges au milieu des routes si le chemin est trop long et qu'il va faire nuit. Vous voyez, on va se faire un vrai monde immersif RP. Et peut-être de temps en temps, on fera un épisode RP. Oh. Hop. Là, on pourrait faire un village de pêcheurs, par exemple. Quoique, un lac tout pourri, tout suite, non. Ou alors il faudrait refaire le lac. Et là, il y a du boulot. Non. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? D'intéressant. Allez, monte, monte. Monte, mon tout petit. Hop, hop, hop. Slalom, Shani, slalom. Wouhou. Ça, c'est du décor. Ça, j'en ai pas. Voilà. Ah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Si on a un peu... Oh, des roses. Des roses. Des roses. Hop, donnez-moi. Si on a un peu plus de plaine que ça derrière, on est bon, je crois qu'on va s'installer ici. Ah, un squelette. Va aller lui faire la peau. Mais pourquoi il pleut à chaque fois que je sors aussi? Hé. T'es mort. Fallait pas me faire chier. Oui, il y a de la plaine. Il y a de la plaine. Plein de plaine. Il y a de la plaine. Oui, alors là, on pourrait utiliser la forme de cette colline pour bâtir le château. Ça tombe bien, j'ai jamais assez de bonnes mille, mon gars. Ils sont fous, ces squelettes, ils viennent me voir. Chani, on va te faire la peau. On va te faire foutre, on ne mourra pas. Oui, je rappelle, ma chaîne est 18+. Hein. Si j'ai envie d'insulter, j'insulte. Si j'ai envie de râler, je râle. Et si j'ai envie de buter du creeper, je le fais aussi. Wow, mais c'est l'armée des creepers par là. Oup. Tiens, prends un coup d'épée dans la gueule. Et crève. Ah mais ouais, je crois qu'on va établir notre village de pêcheurs pas loin d'ici. Il y a un peu ce que j'aime. Oh, creeper partout, creeper partout. Dégage. Ouais. On va s'installer ici. Et on va établir notre village de pêcheurs. Ça me plaît. Alors, je vais passer la nuit, les mecs. Et on va se retrouver tout de suite pour poser les bases de la première maison. Je dis pas qu'on va la faire. Je dis qu'on va poser les bases. Alors, je vais récolter un peu de trucs et on se retrouve tout de suite. Chut. Regardez. Aujourd'hui, dans les chasse-pêche nature et tradition, le cripou dissimulé dans l'herbe. On ne le repère presque pas, il ne nous voit pas. Salut toi, tu me vois?
Tu me vois? Ça y est, c'est que j'existe. Le cripou dans tous ses états, désolé. C'était l'interlude chasse, pêche, nature et tradition de Shani. Alors comment ça se passe quand je vais créer ce village? Eh ben écoutez, vous voyez ce que je suis en train de faire? Oh, je vais en faire plein de choses comme ça. Mais pourquoi attendre? On va faire ça façon village, hutte et compagnie. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, trop là. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, j'apprends à faire des cercles avec Shani. 1. Voilà, donc ça, ce sera notre centre du village. Faut dératiser un peu. Dératiser. Enlever les mauvaises couilles, là, les mauvaises herbes. Les saloperies. Donc si, ici, c'est le centre de notre village. Centre névralgique. Je vais me faire ce creeper, il commence à me saouler. Tata. Donc, le cripou. Ici, si, ici, c'est le centre de notre village. On va poser ça ici, et on va faire hop, 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 hop. Ici, c'est chez moi. Ensuite, on va faire une chose, c'est qu'on va faire 1, 2, 3, 4. Voilà, hop, un double coffre. Vous connaissez Minecraft, là, on commence. On stocke tout pour que, même si on crève... Oh, j'ai des arcs. Yes, on va s'amuser à sniper. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Il y a un achievement d'ailleurs, non? Qui s'appelle sniping ou un truc comme ça. Baf. Ya. Ya. Miam, 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 miam. Donc, ici, on va voir le centre de notre village. Ce qu'il faudrait, c'est commencer à faire les routes et compagnie. Ouais. Alors, il faut réfléchir. Donc, là, on va avoir notre village, notre centre du village qui va s'élever à... Voilà, fait ça. On va l'élever à quelle hauteur? Il me faut une belle hutte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah. Ça, c'est pas mal. Le toit commencera là. Hein. Donc, le support de toit sera ici. Vous voyez? Vous comprenez. Ok. Ça suffit. Eh ben, je vais faire comme tout bon Minecrafter. Je vais aller récolter un peu de bois. Avec les outils que j'ai, ça va plus vite. Hein. Et... Oh, qu'elle est mignonne! Qu'est-ce que j'aime, Knockback. Ici, on a de l'eau. C'est normal, en même temps, on va faire un village poissonnier, quoi. Et donc, ici, on a le centre du village. J'essaye de réfléchir en même temps, mais... Il va me falloir une sortie ici. On va créer un pont ici, et on va pouvoir établir des maisons tout autour de ce bassin. Et on va faire une île. Yes, yes, yes. Je sais pas si vous voyez, je vais faire passer une rivière ici... Là. On est loin de l'eau? Bah non! Maintenant, on va partir par là. Ok, t'es parti, mon Gary. La pelle mitrailleuse. Voilà, donc... Ça, c'est pas très beau, ça non plus. Voilà. Ici, on a notre lit de rivière. Et ça ferait le tour. Donc, la maison serait bien sur un espèce de petit îlot. Et c'est pas assez large, mais l'idée est là. Vous voyez, les mecs? Donc, je vais finir le tracé de ma rivière bien épaisse.
Voilà. Et voilà, donc un vrai lit de rivière, vous voyez, qui entoure la maison. On a bien de ce côté-là, ça. Ici, on va le faire disparaître, tiens, tant qu'on y est. Et ce sera. Et après, on se lassera. Mais pour ici, ce sera ça. Oui, je sais, t'aimes pas être dans l'eau. Oulala, le pauvre, il aime pas être mouillé. Voilà. Toi ici. Il y a un trou, là. Là, là, là. Ok. Ça, c'est bon. Il y en a un autre là. Et ben maintenant, prends ton seau, mon petit. Et c'est parti, mon kiki. Hop. Donne-moi de l'eau. Hop. Donne-moi de l'eau. Hop. Donne-moi de l'eau. Hop, ici. Pareil. Il est grand temps qu'on avance. Hop, courant bizarre, c'est bon. Yes. Yes. Donc, vous voyez, on va entourer notre centre du village. Et comme ça, tout sera relié par des pontons. Par des pontons. Et ça va le faire. Enfin, du moins, moi, je suis tenté de dire que ça va le faire. Donc, je vais prendre un petit screenshot pour faire beau. Hein. Pour ça, je m'autorise. Attention, je m'autorise la commande suivante. Search toggle down fall. J'éteins la pluie. Parce que ça saoule. Pour les screenshots, c'est moche. Et on va se faire... Voilà, celui-là. Ouais, celui-là, là, c'est moche, c'est que de la forêt, mais... Ah, ce poteau. Toi, poteau. C'est mon poteau. Parce que peut-être c'est mieux si je le prends... Comme ça, ouais. Eh ben les mecs, sur ce, il me reste plus qu'à vous dire que si l'épisode t'a plu, si t'as aimé le fait qu'on enlève la World Border et qu'on va pouvoir explorer maintenant et faire de nouvelles constructions un peu partout sur le monde, tu laisses un j'aime. En attendant, je vous fais à tous des gros bisous, tu t'abonnes pour recevoir toutes mes vidéos. A de plus, soyez heureux, peace.